C'est à 13h50, ce mercredi 21 juin 2023, que l'avion qui transportait la ministre nationale du genre, famille et enfants, en provenance de Kinshasa, s'est posé sur l'aéroport international de Lalouano. Mireille Massangou, Bibi Muloko, a été tour à tour accueillie au bas de la passerelle par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngongwa, la commissaire provinciale au travail, Angélique Kyungu, et quelques hauts cadres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, qui ont accédé jusqu'au pied d'avion. Aux côtés de Gisèle Ngongwa, ministre du genre au niveau provincial, Mireille Massangou Bibi Muloko a reçu un accueil digne de son rang de quelques sympathisants de sa formation politique à la sortie des installations de l'aéroport. Ambiance similaire après le péage de Lalouano. Toujours accompagné de Gisèle Ngongwa, Mireille Massangou Bibi Muloko va passer dans quelques artères de Lubumbashi en escorte jusqu'au directeur de son parti. Après une brève introduction par le numéro 1 de l'UNAFEC, Ladislas Longangue, Mireille Massangou Bibi Muloko a transmis le message du chef de l'État à tous ses enfants. Elle leur a demandé de rester toujours éveillés et de se placer en ordre utile pour les élections qui auront bel et bien lieu au mois de décembre. Pour elle, le chef de l'État fait la promotion du genre en véritable « i-foshi » qui veut dire « il pour elle », tout parti qui va présenter une liste des 50% des femmes et des hommes en intégrant des handicapés ne paiera pas de caution. Le combat réussi du président de la République pour une représentation équilibrée des femmes et personnes vivant avec handicap à tous les niveaux. Il faut noter que Mireille Massangou Bibi Muloko est en sa première visite officielle dans son espace Katanga natal depuis son élévation au ministère national du genre, famille et enfants.